Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Collection. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, on va essayer d'avoir un petit peu de chance pour avoir des slimes. Donc c'est pas gagné. J'ai collecté un peu de nourriture, un peu de tout ce qu'il nous faudrait aussi un peu pour une fois rentré. Un peu de bouffe. Ça fait pas de mal. Par contre, je suis un peu complètement plein. Alors, le bouquin Sharpness 3. On le garde forcément. J'ai peut-être un peu trop de... Voilà. Du coup, est-ce que j'ai ramassé le mouton et ça? Le mouton noir, je vais la laisser ici. Donc voilà, donc là, faut réussir à attendre la fin de la journée. Et après, on pourra rentrer... Si on a des slimes. Bon, si on n'a pas de slime, je rentrerai quand même parce que... Ah, il m'a pas donné de mouton. De mouton de viande. Donc, j'espère que par ici, on y arrivera ce coup-ci. Surtout que par ici, j'ai pas grand-chose à y faire. Parce que vu que j'ai mon inventaire qui est un peu plein... Je peux pas essayer de récolter de la clé ou quoi que ce soit. Et j'ai ma vie qui est déjà pas mal descendue, donc... Ça aussi, c'est gênant pour l'instant. Après, ce que je ferai, c'est j'essaierai de voyager par portail... pour faire des grandes distances. Enfin, quand j'aurai le portail, parce que là, c'est pas gagné du tout non plus. J'entends encore des cochons. Ah, d'accord. Viens là, petit cochon. Voilà. 14 ans en port. Je pense que là, je commence à avoir largement assez de nourriture. Donc, un de lapin, 14 de poulet, 6 de bœuf. 8 de moutons, 14 de cochons, 8 carottes, 6 pommes, et 4 pains. Et la nuit commence à tomber, yes. On va rejoindre l'abri après ça. Faut que je retrouve l'abri. Là-bas. Bon, ici déjà la zone de marée est plus étendue, donc une petite torche ici, histoire d'éviter que ça se prenne au moins dans mon truc. Et en tout, si j'ai beaucoup de chance, j'aimerais avoir donc 9 boules pour faire un bloc. Et après, il me faudrait 2 slimes supplémentaires, donc il m'en faudrait 11 en tout. Voilà. Je pense que ça n'arrivera pas, parce que je suis chanceux.
Merci. En ce sens, je ne vois rien aux alentours. Aux alentours, bien sûr. Là, j'ai un petit creeper. Un zombie qui est intéressé par moi, d'ailleurs. Non, il a fait une 8 heures, ok. Il y a vraiment très très peu de spawn ici. Hein. Ouais, ça y est, il m'a repéré. Tac, parce que... Voilà, je me doutais qu'il y en aurait d'autres qui spawneraient. Oui. Alors le truc c'est est-ce que je les tape ou pas? Pour éviter les bébés zombies. Mais bon, ça me prend un peu d'XP donc. Je dirais pas non. Ça, j'ai pas eu de zombies supplémentaires. Alors, un squelette. Des champignons. Wow. J'ai vu le spawn d'un creeper et de deux zombies, je crois. Je crois que c'est un zombie avec une armure. Du moment qu'ils sont loin de moi, tout va bien. Parce que là-haut. Bon, toujours pas de slime, hein. C'est chiant parce que du coup il se passe rien quoi. J'essaie juste de m'éloigner un tout petit peu, c'est pour laisser qu'il y a une zone où ça spawnera pas. Et ça se voit, là, il y a une witch qui est apparue. Des araignées. Mais toujours pas de slime. Non, toujours pas. Bon. Je crois qu'on va rentrer directement en pleine nuit et puis... Qu'on reviendra une autre fois. Parce que là, tourner en rond, ça m'énerve un peu. Là, voilà. Mais bon, à chaque fois que j'ai vu un spawn d'un slime, c'était à la fin de la nuit, donc c'est pour ça que ça m'embête de partir maintenant.
On va s'y retourner dans l'eau. Ah, c'est le mouton, l'autre que j'entendais. On va le mouton. Ah. Okay. Toujours des squelettes, rien de bien. Donc on continue. On s'éloigne un petit peu. Tac. J'ai l'impression, ouais, que c'est bientôt la fin de la nuit, c'est bien ça. Alors le slime, hein, si vous voulez spawner, c'est maintenant. Bon, je vais marquer encore un tout petit peu. Non, ça veut pas. Là, on a une poule là, qui essaie de nager. Un squelette, mais bon. Un zombie aussi qui a essayé de m'attaquer. Bon, ça me... Oui, je t'ai entendu. Voilà. Mais toujours pas de slime. Je vais faire un petit tour au cas où, mais... Je n'entends rien, je ne vois rien. Je pense que la meilleure façon que j'aurai pour avoir des slimes, et ça m'embête beaucoup, c'est d'avoir des grandes zones souterraines. Complètement vides. Mais ça va prendre tellement de temps à faire que... J'aurais préféré en avoir autrement. Bon. Allez, on rentre. Ça vaut pas le coup. Tant pis. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir un problème de nourriture assez conséquent. Il va falloir que je fasse un élevage de vaches de façon traditionnelle. Et que maintenant, il faut que je retrouve la maison. Là, j'ai déjà plein de pumpkins. Il me semble que j'en ai déjà pris ici, donc la maison doit pas être très très loin. Bon, on va prendre les marches là. Je sais que c'est pas très loin de la du village. C'est pour ça que je pense que ça doit être par ici.
Ou pas. Mince. Et j'avais pas fait de grande tour exprès pour ça soit visible, donc forcément. Peut-être été une énorme erreur, ça peut pas la faire. Ah, mais entre, de toute façon, entre les montagnes, je suis pas sûr que je la verrai de très loin. Alors, voilà. Non, pas ici. Je suis sûr que je suis pas loin du village en plus, c'est ça le pire. Des ânes. Si je me souviens bien, j'étais passé à côté d'Anne quand j'étais parti, donc je dois être sur le bon chemin. Ça m'embête, j'avais mes premiers blocs dans un coffre là. Là-bas. Encore, j'avais rien préparé, j'aurais dit, c'est pas grave, on en construit ailleurs, mais, enfin, on reconstruit ailleurs. Mais là, c'est pas trop possible en plus. Hop. Ouais, non, j'étais pas aussi haut que ça quand même. Donc... Je vais juste prendre de la hauteur du coup pour essayer de voir si je vois pas les bases. Après, je ne vois rien. Je ne vois rien, je ne vois rien. Ici, peut-être. Ah, il neige. C'est-à-dire qu'en bas, il pleut. Ça, c'est... Voilà. Ce n'est pas par là. Mais zut alors. J'aime pas quand je perds mes bases comme ça. Alors faut savoir que c'est, même dans mes parties perso, hein, ça m'arrive assez souvent. Au début, hein, tant que j'ai pas vraiment de maison de construite, je pars assez souvent comme ça les des lieux. Bon, ça qu'en général je fais des screenshots, mais là je suis un peu sûr d'en avoir fait d'ailleurs. Bon, je suis même presque sûr de pas en avoir fait. Donc ça, c'est l'épisode de la loose. Hein. Oh, le mouton qui me gêne. Ouais, non, là, je suis beaucoup trop loin pour... non, j'aurais pas dû sauter. Ça serait peut-être passé. Bon. Du Dark Oak, mais j'ai pas de sapin. Ça, il m'en faudrait un petit peu. Non, c'est un petit peu de pluie, hein.
Ah, ça y est, on l'a retrouvé. Donc du sapin, je vais en avoir. Ouais. Ouais, c'était ici que j'étais venu chercher mes vaches. Ça vient de reprendre. Hop. Donc on va faire un petit élevage par ici. On va abattre quelques arbres. Donc ici, ouais, faut que j'aille me crafter des fences. Tac. Alors, est-ce que j'en avais déjà fait? Non. Oh, le truc, c'est que... On fait un petit peu... Oh, je sais plus, je crois que c'est comme ça. Non, ça c'est les portes. Donc c'est l'inverse. C'est ça. Hop. Voilà. J'en ai déjà 12. Oh la vache. Tac, j'ai jeté. Ah non, si c'est bon, j'ai jeté. Le trop plein. Le livre, je le laisse là. La nourriture, je la garde, donc je vais la laisser là. Donc pour l'instant, voilà. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça par ici. Ils sont là. Hop. Il m'en faut un peu plus. Et il me faut surtout une porte. Après, on y mettra les vaches et puis on va les... Les accoupler. Hein. Hop, 47. Un petit peu plus de stick. Allez, 6, ça devrait le faire. Et donc là, il me faut une porte. Ouais, là, le bateau, j'en ai pas besoin. On s'est récupéré et il commence à faire nuit. Donc je pense que ça va être l'heure pour nous de nous arrêter. J'aimerais juste terminer ça, ce serait trop bien. Voilà. Voilà. Du coup le BG c'est là-bas. Alors. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, je vais m'enterrer. Tac. C'est bon, ça peut pas rentrer. À part les petits, mais bon. Voilà, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bah, épisode un peu vide, je trouve. Bon, on a failli perdre la maison, les bases de la maison. Bon, ça y est, on a réussi. Donc, du coup, le prochain épisode va être début d'élevage pour la nourriture. Et continuer bah, la construction du musée pour réussir enfin à valider quelques succès. Donc, bah, pour tout ça, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut à tous.